I am the hammer. I am the point of his spear. I am the mail about his fist. I am the bane of his foes, and the woes of the treacherous. I am the end. Bonsoir, je suis Bob Lennon. Ah, et bienvenue, bienvenue dans le délicieux monde en 60 FPS. Witcher 3 Virage, épisode 80, où aujourd'hui nous allons dans le sud des îles de Hardskellige afin de trouver le géant gigantesque, le démon de glace, le titan frigide, oh, histoire de lui mettre une pâtée pas possible et de sauver le fils de Ankrait, ou Krar, ou Krave, j'arriverai jamais à prononcer leur nom à la con. Voilà, on s'est posé. Hjalmar, et donc sauver cette quiche, tout comme on a sauvé sa quichette de sœur Ciri. De la malédiction du démon de je sais pas quoi. Et oh là là, oh là là, oh là là, oh là là, du calme, mesdemoiselles. Mesdemoiselles, ce sont des équinées, est-ce qu'elles ont des seins? Est-ce qu'elles ont des seins? C'est essentiel comme question. Elles ont l'air d'en avoir, ça compte. Ça compte. Ah, comme je le dis, toutes les femmes sont belles en levrette. Et comme le dirait Benzaï. Tant qu'il y a des gros seins, tout va bien. Ah, me fait bouffer de partout, c'est pas grave. La parade. Au, au, au. Laissez-le moi. Ah là, j'en ai eu un. Parade. Ah. Ouais, voilà, super, magnifique kill. Non, reviens là, saleté. Ouais. On les a eu. Il en reste une, mais elle s'est cassée. Super. Phew. Eh ben putain. Ah bah magnifique pose de mort. On peut l'observer en plus grand détail là pour le coup. Dieu que c'est moche, hein. Mais je comprends qu'après avoir passé 30 ans sur un bateau, bah tu te dis, bon bah... C'est ça ou Gilbert, quoi. C'est ça ou Gilbert. Mablette. Mablette, qu'est-ce que tu fais, Mablette? T'étais sur le bateau all along. Mablette qui sort de sa Pokéball, allons-y. Allez, ya. Non, ya, Mablette. Tu comprends pas le sens de ya? Ya. Voilà. Une auberge sur la route, pourquoi pas. Et un petit village côtier. Tout ceci est fort... fort adorable. Ok, ok, nous sommes donc sur une île qui est absolument déserte. On se demande bien pourquoi. Parce qu'on va me dire, Bob, c'est parce qu'il y a un géant des glaces. Oui, mais il est pas censé être enfermé justement sous la glace. Genre, il est pas censé être Keblo sous le lac. Ah, c'est bon, c'est passé. Hop là. Donc là, il y avait un cadavre d'un mec qui faisait sans doute partie de l'expédition. Ya. Ya, j'ai dit. Ah ah! Que se passe-t-il ici? Brave Jean, bonsoir! Je cherche. What the fuck? Un bateau géant? Tactical espionnage action! Metal Gérald Soli! What the flaming fuck? Nom d'un caribou nazi, qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce que c'est que ces conneries?
Et qu'est-ce que c'est que ce bateau? Il veut rien dire. À la base, j'allais dire c'est peut-être l'épave d'un bateau, parce que vous voyez, ces espèces de trucs, c'est quelque chose pour le mettre à la mer. Ouais, ça doit être derrière la porte, ouais, vous voyez, il y a la mer derrière, donc ça c'est pour le faire glisser, ok, il n'y a pas de problème, donc il est en train de construire un bateau. Mais, c'est même pas un bateau qui a été construit avant, c'est le géant qui est en train de faire un bateau en fait, regardez l'étoile. Ouais, enfin, l'étoile, la voile qui est toute faite à l'arrache et tout. What the fuck? What the fuck? À mort! Ah! Belle attaque instantanée! J'avoue que je l'ai pas vu venir. Heureux sera le jour où je t'enverrai. Wait, what? À l'est de moi, les gens fuient. Heureux sera le jour où je retrouverai mon vieux père, mes deux fils et ma tendre moitié. What the fuck? Mon souffle se fait court, ma force déprime. Mes muscles se raidissent et mon âme est chagrine. Les gens. Pays merveilleux. Quand te reverrai-je, pays merveilleux. D'accord, moi je pensais que le géant nourrissait un monstre, mais apparemment il y a l'air d'avoir un gars dedans. Ouah, c'est Gepetto. Il est où Pinocchio? Octo, okay. Je connais cette chanson. Que faites-vous ici? En voilà un autre, mes amis. J'ai pourtant beau leur répéter. Comment ça, Wilfred? Ouais, c'est bien vrai, ils n'apprendront jamais. Enfin, au moins celui-là aura entendu une belle chanson avant de mourir. Kakaka, c'est bien vrai. What the fuck? Le mec, il a un crâne et il l'appelle Wilfred. Bon, mon chat s'appelle Wilfried, mais dans l'idée... What the fuck? C'est quoi ces clins d'œil même pas déguisés de la part de CD Projekt, c'est chaud. Qui étaient ces hommes? Mon équipage. Vous avez juré de ne pas m'abandonner. Le grand, c'est Wilmar. À sa droite, c'est Wilfred. Et celui qui bégayait, là, c'est Wilhelm. Kikikikikikikakakaka. Et pourquoi restez-vous ici? On est coincé ici. Si on sortait, le géant nous tuerait tous, comme il a tué les autres. Ça fait du sens. J'aime bien les crânes qui se présentent. Kakaka, moi c'est Wilhelm. Kakaka, moi c'est Gérard. Et Kakakakaka. Le crâne qui bégaye, ça fait aucun sens, c'est du grand n'importe quoi. Pourquoi le géant vous a-t-il épargné? Moi, mes gars et les sirènes, on m'aide à construire un dracard. J'ai bien tenté de m'échapper, mais les sirènes m'ont ramené ici aussi sec. Ah merde! Pourquoi a-t-il besoin d'un bateau? Il veut quitter l'île? Je fais confiance à mes hommes pour emporter le secret dans la tombe. Mais vous? Je ne dirai rien, c'est promis. Très bien. Le géant veut prendre la mer pour vaincre les dieux à l'heure du Ragnarok, l'ultime bataille avant la fin du monde. Le dracard sera bientôt prêt. Kakaka, t'aurais pas dû lui dire, Philippe. Kakaka, c'est vrai, il m'a l'air d'avoir le crâne dur. Kakaka, moi je pense qu'il va nous enfiler jusqu'à l'os. Kakaka. Ah d'accord, donc le géant, il se fait un bateau pour le Ragnarok. D'accord, c'est pour ça que le bateau, il ressemble à rien. Tu me diras, c'est plutôt métal. Le gibier est plutôt rare sur cette île. Mais j'ai vu le géant vous donner de la viande. Elle vient d'où? Je sais rien, j'ai pas demandé. Moi et mes hommes, ça nous convient. Et là-bas, sur le sol, il y a une main à moitié mangée. Hein? Où ça? Wilmar, merde! Je t'avais dit de nettoyer ça. On peut vraiment pas compter sur toi pour garder un secret. Kakaka, désolé. Écoutez, c'était ça ou mourir de faim. Mais j'ai forcé personne, vous savez. Tout l'équipage a voté pour. Bon, je cherche le sale gamin et le frère de Ceris. Je cherche Hjalmar Hankreit. On m'a dit qu'il était venu sur cette île avec ses hommes pour tuer le géant. C'est vrai, je l'ai vu. Et Wilmar aussi. Vous êtes sûr que c'était bien lui? Wilmar n'est pas aveugle tout de même. Et moi je les ai vus comme je vous vois. Les fleurs rouges, Folan, Vigie. De vous à moi, je dois vous dire que ce garçon n'a plus toute sa tête. Oh, et le jeune Hankreit était là, lui aussi. Ah ah, très bien, très bien. Leif, Folan, Vigie et Hankreit, dans l'ordre. Et ça remonte à quand? Quatre personnes. Vous parler. La rencontre avec Hjalmar Hankreit, ça remonte à quand? Oh ça, aucune idée. Vous devriez poser la question à Wilhelm. Kakaka, j'avais pas les yeux en face des trous, kakaka, je peux pas dire.
Vous savez où ils sont allés ensuite? Non. Et toi, Wilmar? Ah oui, c'est vrai. Ils voulaient établir leur campement dans la vieille tour de garde. Pour la trouver, c'est pas difficile. Elle est plantée au bon milieu de la vallée. Elle garde plus grand-chose, d'ailleurs. Bon. Kakaka, sans déconner, Octo, est-ce que tu peux m'enlever la bougie que tu m'as mise sur la tête? Kakaka, ça me donne mal au crâne. Pardon. Je reviendrai vous chercher une fois que j'aurai trouvé Hjalmar. Vous avez l'air bien sûr de vous. Et vous comptez peut-être tuer une géante tout seul, pendant que vous y êtes. Ils sont tous pareils, pas vrai, Wilhelm? Ils se croient tous immortels. Je dois partir. Au revoir. Dites, vu que vous comptez revenir, vous pourriez me rapporter de la ficelle. Vous en trouverez sûrement au village. Et des clous. J'ai presque plus de clous. Vous n'oublierez pas. Des clous et de la ficelle. J'y manquerai pas. Des clous, de la ficelle et du bon sens. Parfait. Bon, excellent. Très bien. Et ben voilà qui répond à ma question. Nous avons donc Octa qui est là. Il faudra penser à venir le chercher ou envoyer quelqu'un pour le sauver. Et ce, quand on aura buté ce géant à la con. Allons-y. Aha ! Tu m'as pas eu comme ta copine, salope ! Et voilà ! On la fait pas deux fois, Olenon. On me la fait pas, moi, on me la fait pas. Trouver le bivouac de Hjalmar. D'accord, dans l'espèce de vieille tour de garde, juste au milieu du camp. Ça a l'air d'être là, allons-y. Le campement de Hjalmar. Ils ont subi une attaque. Aha ! Ok, voyons voir. Son dos est brisé. Comme s'il était tombé de haut. Ah, le géant donc. Celui-ci s'est bien battu. Ses blessures sont nombreuses. Ça n'empêche pas d'être mouru. Ils ont été surpris, mais ils ont repoussé les assaillants. Je devrais fouiller les environs pour trouver d'autres indices. Aha. Plusieurs hommes ont traîné un bateau vers le nord. D'accord. Et là? Deux personnes sont passées ici. L'une après l'autre. Cette piste est plus ancienne. Quelqu'un a quitté le camp avant l'attaque. Très bien. Donc, quelqu'un a quitté le camp avant l'attaque. Donc il n'était pas là lors de l'attaque. Alors que le bateau, c'était après l'attaque. Donc c'était en retaliation et en réaction. Le problème, c'est de savoir par où est parti Hjalmar. Est-ce qu'il a quitté le camp avant l'attaque? Ou est-ce qu'il était avec les gars qui ont déplacé le bateau? Si c'est un bateau qu'ils ont bien poussé, pas une caisse, hein. Ça se trouve, Geralt, il dit de la merde. Écoute, on va suivre ces traces-là. On va suivre les traces de ceux qui ont quitté le camp d'abord. Ça se trouve, ils ont peut-être des choses à nous dire. Peut-être même qu'ils ont survécu. Vu qu'ils n'étaient pas là pendant l'attaque, on ne peut qu'espérer. Allons-y. Ah ! Aïe ! Il est tombé sur un équerre, mais il lui a réglé son compte. Les insulaires sont coriaces. Et sans épée en argent? Une autre piste. Aha! Une autre piste, mon cher Scooby! J'ai pas de Scooby-Doo, mais je peux appeler ma blette. Hein. Ma blette! Tu veux un Scooby-Scooby, ma blette? Un Mabliscuit. Le Mabliscuit. Ce sera absolument formidable. J'ai entendu un gros vent. Ah, d'autres nickels. Une flèche par adversaire. Joli coup. Une flèche par adversaire. Joli coup. Effectivement, il faut. Ce serait dommage que le mec responsable de tel talent d'archerie soit mort. Une bûche. Quelqu'un s'est abrité derrière ce tronc. Ah ah. Mais pourquoi il s'est pris des flèches? On lui a tiré dessus? Quelque chose est passé par là. Pas de doute possible. Il a été touché, mais a continué quand même. Ah ah. Et là, il a fait l'amour sauvagement avec une indigène contre le poteau. Il pouvait à peine tenir debout. Ah ah. On dira, ça contredit pas ma théorie. Il a perdu trop de sang. Il n'a pas pu aller bien loin. Et là, il va crever, c'est sûr.
doit être quelque part par là. Ah ah ah, le voilà, enfin. Il a pris une deuxième flèche à cet endroit. Où est donc passé cet archer? Oui, c'est la vraie question, ça. Un corps. Possédez un nouvel objet de quête. Équipez-le en plaçant dans un blanc. Ok. Très bien, j'ai récupéré un objet de quête intéressant. Qu'est-ce qu'il fait? Attends, il faut que je le retrouve aussi, parce que moi je suis un peu un glandu avec mon inventaire. Tête de quête, voilà, objet de quête. Le corps. Oh, c'est comme le masque. C'est génial. Bon. C'est sans doute un des œils de Yamar. Où est-on passé ces archers? Aha. Des trolls. Ils l'ont traîné dans la caverne. Je me demande s'il est encore en vie. Oh. Oh, est-ce qu'on pourrait sauver un des hommes de Yalmar? L'archer est blessé aussi. L'archer. Un archer troll, tu veux dire? Ok, très bien. Alors, contre les trolls, c'est peut-être l'huile contre les ogroïdes, mais je suis pas sûr. Donc, par acquis de conscience, on va la mettre quand même. Draconide, insecte, créature améliorée, bête, bombe au dimitérium, spectre, nécrophage, vampire, ogroïde. Voilà. C'est pas non plus le top, mais... c'est le mieux dont je dispose. Allons-y. Monsieur le troll, bonjour. Boulia. Agression, agression. Boa. Ouh. Ah. Ah. Gaga. Il a le bras solide, l'enfoiré. Ah. Très bien, t'as un troll de glace. Prends ça. Lade. Technique secrète. Spectaculaire. Bien. Une caverne qui est bien sombre et qui offre plusieurs routes et plusieurs choix de lieux et de localisation. Un troll. D'accord. Ça ne marche pas face à lui. Très bien. Ouais. Bien joué. Victoire. Victoire. Sauf que l'intérieur de cette grotte, chers amis, m'interroge. Ça, ce troll, je l'ai déjà tué. Par où suis-je rentré? Et là, il y a des traces de sang par terre. Et il y a des stalagmites. À ne pas confondre avec des stalactites, les enfants. Les stalagmites, c'est les saloperies qui montent. Et les stalactites, c'est celles qui tombent. Parce qu'il y a un M dedans pour dire monte et un T dedans pour dire tombe. Donc stalagmite, stalactite. Ça sent la soupe par ici. Oh fuck. Fuck. En espérant que j'arrive pas trop tard. Messieurs, dames, bonjour. Je voudrais une assiette, s'il vous plaît. Entière. Ça sent bon par ici. Oui, bonjour. Eh, oh, aidez-moi. Je suis en train de me faire là-dedans. J'ai besoin de cela. Non. J'en ai un goût qu'a gagné un virus.
Myriff ? Voilà. Trouvez les lignes. Ok, ben, si toi malin, toi poser énigme. Vous aidez ces énigmes. Jouez avec moi, alors. Si je gagne, je me renomme. Si je perds, je me rejoindrai dans la marmite. Oui. La bouffe ne parle pas. Prenez les ennemis. Mange pour moi pour grand gaillard. Un troll, c'est sûr. Oui, troll. Toi, va demander. Ah ah. Je suis léger comme lui-même, mais même un troll ne me retenir pas longtemps. La respiration, je dirais. Le souffle. Bébé. Mon Dieu. Zulan, j'ai gagné à la rivière. Mauvais énigme. Lune. Troll va se souvenir. Ok, j'ai gagné. Apparemment, ils vont me laisser faire. Ça m'arrange. Oh. Ça va aller. Ah, t'as eu chaud. J'ai bien cru pendant une seconde que les carottes étaient cuites pour toi. Bon, et on lui a prêté un t-shirt. Malin. Tout va bien. Les bains chauds, c'est fini pour moi. Vous pouvez me croire. À part ça... Ouais, ça va aller. Vous m'avez sauvé la vie. Merci. Je cherche Yalnar. Yalnar. J'aimerais bien savoir où il est, moi aussi. Lui et tous les autres. Il s'est sûrement passé quelque chose. Sinon, il serait venu au secours. Il m'aurait pas abandonné, c'est sûr. Attendez. Qu'est-ce que vous voulez, Yalnar ? Je veux sa tête. Krah m'a envoyé pour retrouver Yalnar. Artskevi doit se choisir de vos voix. Et tout le monde attend le retour du jeune Alcrete. J'ai du mal à y croire. Yalnar. Souverain des Skellige. Vous pensez qu'il ne serait pas à la hauteur ? Yalnar est un gamin irresponsable et borné. C'est aussi un chef-né. Céris et ses amis d'enfance. Oh, Céris également prétendant au trône. Céris ? Mais c'est une... Une gonzesse ? Ah, le mec qui connaît pas sa place. Père de fille. Ne me dites pas que Krah approuve. Et elle aussi, elle s'est mise en tête de partir pour une requête stupide. Il n'était pas ravi. D'autant plus que Céris est parti sans les prévenir. Et sans prévenir non plus. Où est-elle partie ? Et avec qui ? Elle est partie seule pour Spikrouille. Seule ? Partout les diables. Si seulement Yalnar avait. Et vous savez si elle est revenue ? Oui, elle est revenue. Et elle a réussi. Loué soit les lieux. Bon. Dites-moi plus sur l'expédition. Tout a commencé comme dans les sagas. Par une énorme tempête. La voile a été arrachée dès la première nuit. Ça commence bien. Mais c'est là que les sirènes ont attaqué. À croire qu'elles les ont attendu ce moment. Même avec ça, je suis sûr qu'on s'en serait sorti. Sans crainte d'un timonier. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il vous a planté ? Et qu'est-ce qu'il a fait, votre timonier ? Ce pauvre abruti a sans doute écouté trop d'histoires de bonne femme. Il avait tellement peur des sirènes qu'il s'était collé de la cire dans les oreilles. Résultat, il n'a pas entendu nos avertissements. Ah, le con ! Il a foncé droit sur les récifs. On a sorti les laissés des baffes comme un abus. Pendant ce temps, les sirènes nous harcelaient. Yalnar soufflait dans son corps comme un damné.
Si bien qu'il va finir déclencher une avalanche. Oh, la succession d'emmerdes. Décidément, ce n'était pas votre jour. Et ensuite, on a récupéré cet imbécile timonier et installé notre campement près de la tour de garde. Après, les choses se sont calmées. Bon. Et comment avez-vous été séparé du reste du groupe? Je montais la garde nuit. Quand j'ai vu Gnar de Faro voler le corps de Yalmar, celui qu'il utilise pour éloigner les sirènes. Ce salopard est sorti du camp. Alors j'en suis suivi. Je ne sais pas bien ce qui a pu se passer dans cette tête de requin. J'avais prévu Yalmar, je savais qu'il ne fallait pas le prendre. Un traître, donc. Vous l'avez rattrapé? Ouais, dans ses cavernes. Mais ce crétin s'est mis à baiser si fort qu'il a ramené les trolls. C'est là qu'ils m'ont balancé dans leur soupe. J'ai bien failli laisser ma peau. Sans votre intervention, j'aurais fini en crotte de troll. En ragoût d'abord, mais enfin bon. Vous savez où Yalmar censé voir de le géant? On avait repéré son centre dans les cavernes au-dessus du village. Yalmar pensait que le meilleur moyen pour l'atteindre, c'était de traverser le lac. Vigile le fou disait que ce serait mieux de passer par les mines. Mais qui sait quel monstre rôde dans ses nanelles. Bon, eh ben j'en sais assez. Si tu veux bien m'accompagner, on va y trouver tes collègues et on va défoncer ce géant à la con. On va bien finir cette quête pourrie. Je crois que j'en sais assez. Au revoir. Je viens avec vous. J'ai de la chance. Les trolls m'ont pas fait petit bois avec mon arc. Bon. Bien. Ah, bah mieux. Allons-y. Parfait. Vous connaissez bien l'île. C'est la première fois que j'y mets les pieds. En fait, personne ne les aime vraiment sur Arskellig. Très bien. Je pourrais parler avec ces gens. Fifinou, si. Mais on va pas rester devant la caverne de trolls pour se taper la discute, chers amis. Folan, et je peux voir sa barre de vie. Intéressant. Allons-y. Traverser le lac. Allons-y. Il suit. Alors, il fait son petit footing, il suit. J'essaie de savoir où est-ce qu'il faut que je me rende. Il faut que je me rende là. L'idéal serait d'arriver à franchir cette barrière pour pouvoir couper en ligne droite, en fait. Le seigneur d'une vie qui explorait les ruines d'Uxtar. Et suivez la piste laissée par le bateau. Très bien. Problème. Peut-être que ça se franchit de là. Non, ça se franchit pas. Ça se franchit absolument pas. C'est chaud. Comment ça se franchit pas, Bob? Fais pas le con, Philippe. On retourne au village abandonné par téléportation. Parce que sinon, ça va nous lourder. Impeccable. Ma blette. J'espère que t'aimes courir, Folan. Hop là. Allez, ya! Très bien. Qu'est-ce qu'il y a, ma blette? Ya! Ma blette qui s'arrête pour aucune raison valide, tu sais, c'est adorable. C'est adorable de sa part. Là, à part là, ma blette. Ya! Ya! Voilà! Impeccable. Des traces. Oui, mais des panzani. Aha! Et il suit quand même l'enfoiré, hein. Il suit, hein. Très bien. Donc ils ont traîné le bateau jusque par là-bas. Putain, mais ils l'ont traîné loin, ce bateau. Pourquoi ils ont traîné un bateau? Comment ils faisaient pour avoir une barque sur eux, les mecs? Personne. Et là, un indice. Un cadavre. Un indice de ces idées de son sang tentant de s'en sortir. Je me demande ce qui est arrivé aux autres. Ah ah. Découvrez ce qui est arrivé à l'équipage de Yalmar, mais avec plaisir. On va suivre les traces. Voyons voir. Ah d'accord, voilà ce qui est arrivé au premier. Empalé comme une couille sur le mât. C'est plus que des signes de lutte, ça, mon grand. Il
Ils ont couru vers les cavernes. Très bien, ça répond à ma question. Traverser le lac, pourquoi tu veux que je traverse le lac ? Ça fait aucun sens. Bon, c'est pas grave, allons-y. On va suivre la traînée de sang et les traces de... Quelqu'un est tombé par terre, mais il a pu s'échapper. Très bien, il s'échappe par là. Pas de problème. Tu suis Gilbert ? Il suit, très bien. Je dois trouver une autre route. Mais c'est une caverne en même temps, mec. Ah, des traces de sang, ils sont entrés dans la caverne aussi. La piste continue par là. Excellent. C'est assez profond. Je ne devrais pas heurter le fond. Ok, tu me suis ou... J'espère qu'il me suit. Allons-y. Wouhou! Très bien. Ah non. On sort de là. Très bien. Bang! Mise à mort! Alors, on a des fois. Raté! Approche. Il s'est posé, t'aurais jamais dû faire cette erreur! Brûle, hérétique! La purge! Parfait. Des bidons et des barils. Ah, Folan. Folan qui m'a rejoint. Il a même une torche. S'il est pas formidable, cet homme. Un cadavre au fond. Ah, une trache rouge là-bas. Impeccable. Bob, on n'y voit rien. Je sais, les enfants. Vous en faites pas. C'est normal. On est dans une caverne. Ah ah! Elle a été nette. Joli coup. Par ce gars. Il s'est battu jusqu'au bout. Torse. Mais il est mort. Bon. Thorsten, il est mort. Là, il y a une trace de sang. Coupé en morceaux. Encore une harpie. Par deux adversaires, on dirait. L'équipage a poursuivi son chemin. Enfin, les survivants en tout cas. Hjalmar a perdu plusieurs hommes ici. Arvid van Tordaren. Il avait tellement insisté pour venir. Eh ben, il avait insisté pour mourir. Ça lui apprendra, tiens. Hop. Yop là. Oula. Avançons. Une trace de sang, ainsi que des barils. Ah ah, des cadavres. Le tunnel s'est effondré. D'accord, il a commencé à ouvrir le feu. Et lui, tu le reconnais pas, ce type ? Non ? Tu le reconnais pas ? Non, c'est pas très grave ? Bon, écoute, c'est pas grave. Mesdemoiselles, bonjour ! Et l'une. Et le deux. Et de trois. Et de quatre. Et de cinq. Allez, ramène-toi. Ah. Et le 6. Voilà. Des œufs de harpie, cool. Vous connaissez bien l'île. C'est la... Non mais lui tape pas la converse ici, j'étais en train de looter, mec. Très bien. Continuons sur la route.
Ouais, c'est charmant. C'est charmant, c'est charmant. Je me demande comment fait un arbre pour pousser sous terre comme ça. Genre, ça fait aucun sens. Il a pas besoin de chlorophylle, de trucs comme ça, si? Bon, bah tant pis, c'est pas très grave. Et là, il y a un baril, là, il y a une trace de sang. Ah, derrière, il y a un coffre, excusez-moi. Les bottes du capitaine, cool. Grâce à ça, je connaîtrai son âge, impeccable. Bon, tu veux bien te barrer, par contre? Voilà, très bien. Allons-y. Aujourd'hui, c'est l'épisode exploration, chers amis. Hein. C'est l'épisode enquête. Hein. Bon, à la base, j'avais ma blette, mais on a réussi à trouver Scooby-Doo sur la route. Un criblé de flèches. Il s'appelle pas Scooby-Doo, il s'appelle Folan, mais il fera l'affaire, il fera l'affaire. C'est un Scooby-Doo métal, en fait. Au lieu de lui donner des Scooby-Biscuits, tu lui donnes des morceaux de granit. Un truc complètement bourrin, tu sais. Des zombies! Que se passe-t-il? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait bugger le jeu, pour des raisons qui me sont obscures, très bien. Ah! Brûle! Hérétique! Explose! C'est bon, il a craqué. Une armure, des choses, du kit de réparation, ça tombe bien, du fil, il m'en avait demandé. Très bien. Il va bientôt crever, lui. Voilà. Il a explosé, arrière. Très bien. Très bien, très bien. Et lui, il se déplace au pif. Dans la buggitude totale. Voilà. Tranché en deux. Ah. Très bien. En deux. Ok, et le cadavre derrière? Un nécrophage, très bien. Traverser le lac et trouver Hjalmar. Je veux pas traverser le lac. Là, il y a un panneau. Et là, il y a une grotte, allons-y. Troll de glace. Un armurier peut en casser un, peut en cacher un autre. Wow! Ow! 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 Oh yeah! Ok, très bien. Tu veux jouer à ça? Tu veux jouer? On va jouer, hein. Y a pas de problème. Haha. On va jouer, mon salaud. Oh yeah! Ah! Ouh! Oulad! Oh yeah! Ha! Encore. Ah, putain. Ah, hu, ah, ah, hu, ah, allez, allez, allez. Et voilà. C'est la forge légendaire. N'ai plus qu'à trouver les outils. C'est ça la forge légendaire? Ça a l'air légendairement pourrave. Ah, je m'attendais à un truc. En même temps, il y a plein d'armures ici. Ok. Ok, ok, ok. Plus qu'à trouver les outils. Trouvons les outils. Ah ah! Les outils de forgeron. Avec des ornements. Ce sont certainement les outils dont parlait Johanna. Cool! Cool! J'ai trouvé les outils de Fergus. Il va pouvoir commencer à me faire des armures un peu sérieuses. Moins 15, 17 pour Dayswen. Putain, c'est stylé. C'est stylé, c'est stylé. Level 3. Écoute, je vais me rééquiper avec ça. Je vais poser les épées qui servent à rien, la faucheuse. Putain, ça vaut tellement d'argent ça. Ça, ça pèse trop lourd. Ça, ça pèse trop lourd. Ça, ça pèse rien du tout. Ça, ça pèse lourd, mais ça vaut cher. Ça, ça pèse trop lourd. Et on va commencer à réparer les choses. Alors, réparation d'armure. Voyons voir. Ça, c'est bien. Réparer les armures, 15% de durabilité, 97, 91, 94, un coup sur les bottes, ça fait plaisir. J'ai rien pour réparer les armes? Armure d'amateur, armure de compagnon. Ah si, voilà les armes, très bien. Réparation des armes. Mon épée en argent qui est à 41%.
Attends, j'ai qu'à l'échanger par celle-là. Et puis voilà, on est bon. Elle est en quel état, elle? 73, bam, un petit 15%. Et 68, bam. Ah, mais c'est 40%, d'accord, c'est pas de la merde, en fait. Ah, merde. Un peu claquer ça pour rien. Bon, bah, tu me diras, c'est pas très grave. Ok. Elle est pas dégueulasse en plus, hein. Elle rend plutôt bien, elle rend plutôt bien. Bon, bah, j'aurais pas perdu ma journée. J'aurais trouvé les outils de compagnon de Fergus et... Oula. Il y a quand même clairement une différence. Ouais, il se passe des choses que je comprends pas. C'est pas grave. C'est pas grave, allons-y, chers amis. Donc il fallait qu'on enquête sur l'autre glandu. Oh. Ça pendouille, ça glandouille. Kakakakaka. Ils sont presque tous là. Sauf Yalmar. Un zombie. Un zombie, un zombie. Alors pourquoi j'ai dit caca? C'est parce que quand tu regardes ce squelette, il a un caca caca. Empale-moi comme si j'étais une femme française. D'accord, et apparemment les mecs ici, ils vivent un peu au crochet du géant, si je puis me permettre. Ok, très bien. Très bien, très bien. Bah, y a pas de raison de pas pouvoir pioncer jusqu'au petit matin. Hein. Voilà, même s'il y a des monstres dans la salle à côté. Apparemment, ça n'a l'air de gêner personne. D'accord, donc un garde-manger avec des zombies, bah putain. Ok, ok. Oh, d'accord, pas mal de squelettes ici. Du merdier, du merdier. Du merdier, de l'alcool. Au moins, il a bon goût le géant, tu me diras, hein, mais... Et ça, ça ne s'ouvre pas. Très bien, très bien, très bien. Aha! Aha! Les traces du salaud! En personne! Cette visite est assez ancienne. Le géant doit passer par ici régulièrement. Une autre liste. Et des traces de pas. Suivons-la, suivons-les. À mon avis, le géant était pas là en même temps. Sinon, ça ferait aucun sens. Donc ça doit être logiquement les traces de pas d'Yalmar puisqu'il reste que lui. Ah merde, et ça se sépare. Je vais suivre le géant. J'ai même pas besoin de mes sens sorceleurs. Les traces de pas du géant sont visibles à même le sol. Il a coupé par là. Voilà. Mais attends. Oh. Oh, d'accord, et il s'est pris pour Spider-Man. Très bien, très bien. Je dois trouver une autre route. Ouais, c'est bien ce que je pensais. C'est bien ce que je pensais, malheureusement, ça ne passe pas, les enfants. Très bien, pas de problème. On va dans ce cas-là suivre les autres traces de pas en remontant un peu. Oh là là. Ah, allez, voilà. On les suit, on les suit. Elles sont là, je les ai pas perdues, chers amis. Rassurez-vous. Très bien, très bien. Faut quand même le grand tour, hein, si je puis me permettre. Hein. Tout ça pour arriver dans ce petit village côtier. Très bien, très bien. On y est presque, je le sens. Ah ah!
les voilà! À mort! Et d'une! Bien joué! Amène-toi! Approche, approche! On t'attend, on t'attend! Oulia! Il est à moi! Et voilà! Victoire! Victoire! C'est ça! Tire-toi! Va sucer les seins des autres sirènes! En foutrais, moi! Hjalmar, je présume. Folan, je te croyais mort. Où tu t'es passé? C'est parti pour Sigrug, seul. Mais toi, tu pouvais pas attendre. Il a fallu que tu partes sur l'heure. Comme si tu avais peur que quelqu'un tue le géant avant toi. Céris. Elle a peur du trône, c'est ça? Et t'aurais préféré partir avec elle? J'aurais préféré avoir le choix. Attends. T'es pas encore remercié, Gérald de Rive. Je te dois une fierce d'elle. Ah, tu me connais, ça fait plaisir. La légende me précède. Tu me connais? Nos barbes sont tes aventures, Gérald. Et mon père m'a souvent parlé de toi quand j'étais gosse. Je me souviens encore de la morale de ces histoires. Un enfant de Skellige n'a pas besoin d'être un sorceleur pour devenir un héros. Mais alors, la balade de la magicienne et du sorceleur, ça parle de vous? T'en connais d'autres? Bon, assez parlé de moi, parlons de vous. Où sont les autres greux, les autres glandes? Où est le reste de ton équipage? Les sirènes n'ont pas cessé de m'assurer. Les hommes se sont bien battus et... ils sont tombés à part. Nous ne sommes plus que trois maintenant. Et l'Elf est dans un sale état. Il est mort. Quoi? Il est mort? Non. Il a juste perdu connaissance. Il a perdu beaucoup de sang. Il est mort. Il est mort, mec. J'avais juré qu'il plongerait sa lame dans le cœur du géant. Juré sur la tombe de ses ancêtres. T'es toujours avec moi? Tu connais la réponse. Joins-toi à nous, Gérald. Bon. Il me plaît, le petit Hjalmar, hein. C'est un peu un Obélix vénère, mais il m'a l'air un peu instable psychologiquement. Bon, c'est pas très important, on y réfléchira plus tard. Je me demande lequel serait le meilleur choix, Céris ou Hjalmar en tant que chef. Parce qu'il est absolument hors de question qu'on laisse la reine et son sale gosse, ou l'autre barbare, monter sur le trône, faut quand même pas déconner. On est le sorceleur, je rappelle, hein. On n'est pas censé prendre parti, mais c'est pas pour autant qu'on va pas voter pour un parti précis. Ah, des clous. J'ai trouvé des clous. Peut-être qu'avec ça, l'autre, il sera content, écoute. Puff, puff, puff. Des clous. Je récupère une chier de clous. Est-ce que c'est vraiment une quête où je suis censé trouver des clous pour l'autre... pour l'autre psycho, ou... Écoute, par acquis de conscience, je fouille un peu la zone, mais... ça me paraît assez annexe comme quête et allez, je peux aller examiner d'abord le cadavre d'Hjalmar, ce que je vais faire. Il s'est vidé de son sang. Ouais, il est mort, ok. Très bien, il voulait pas de la ficelle aussi, l'autre glandu? Oh ouais, je sais pas vraiment où est-ce que je vais trouver de la ficelle, mais pour moi, il y a des clous partout, même. Tu vas voir, ce serait peut-être que t'es un vrai monstre. Formidable. Ouais, surtout partant du postulat qu'il a exterminé plus de 90% de ton équipage, et que je suis les renforts, mais enfin bon. Une auberge avec beaucoup de gens morts dedans.
Alors, je veux pas savoir quelle était la dernière fiesta qu'ils ont fait ici, mais ils sont jetés, les mecs. Hein. Ils y sont allés à fond. Hein. Tournée d'aconite pour tout le monde. Même le gars qui s'est pendu au lustre. Hein. À moins que ce soit une référence à... Comment ça s'appelle ? À moins que ce soit une référence à Monkey Island, chers amis. Ça y ressemble. Hein. Ça y ressemble, ça y ressemble. Mais enfin. Bon, si enfin. J'arrive pas à y croire. Wep. Impeccable. Aha, un interstice. On peut se glisser si on suit le corps. On va dégager le passage. On rejoindra la grotte du géant en passant par là. Oh, t'es pas drôle. Ah, fine. On fait comme dans Conan le destructeur, le film de la qualité médiocre. Et même placé de manière à jamais perdre le géant de vue. Parfait. Eh ben écoute, reste en arrière, moi ça me dérange pas. Parce que si c'est pour crever comme un minable à l'intérieur, ça me fait chier. Effectivement, tout ceci est très 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 impressionnant. Hein. Prudence, un abat à travers risquerait de l'oreiller. Vite, fais-moi sortir pendant qu'il dort. La malédiction trouve ici. Attendez, on a la vigile de vous, vous savez. C'est pas un hasard. Mieux vaut laisser enfermer les dents sous le cul du géant. Quoi ? Tu te vois un crête ? Fais pas ça. Je croyais que c'était un abattoir. Ouais. C'est pour ça que je sais de quoi il est capable. Mais en ce cas-là, pourquoi tu l'as amené si tu veux le laisser enfermer à la première occasion ? T'es complètement con comme leader ou t'es complètement con ? Non, c'est des conneries, on va le libérer. S'il te poignarde le cul, on choisira ta sœur, ça nous facilitera le choix. Je devrais libérer. Une lame de plus ne sera pas trop pour une lignée de géant. Même si elle est maniée par un fou. Je tiens ton crête. Faites-moi sortir d'ici tout de suite. Attendez ici. Je vais chercher la clé. Faites-moi sortir d'ici tout de suite. Elle est un peu pourrie comme prison, si je puis me permettre. Enfin. Ouais. Le géant en personne. Youpi, youpi, gloupi, miam. Tout ceci est absolument formidable et exceptionnel, chers amis. Bon, et bien écoutez, dans ce cas-là, moi je vais sauvegarder là et m'arrêter. Hein. Je vous fais de gros bisous, je vous remercie. Un petit pouce bleu pour la prochaine fois qu'on défonce le géant et qu'on lui nique sa mère. Vous avez le droit de voter dans les commentaires si vous voulez voir Hjalmar en chef ou Ceris. Et attention, c'est pas juste Hjalmar parce qu'il est métal et c'est un gros bélix ou Ceris parce que c'est une femme, lol. Je veux des vrais arguments politiques. Politique, polystatique, chers amis. Je veux du développement pour que ça réussisse à me convaincre. Sur ce, des bisous et à la prochaine. Allez, sous.